De notre bien-aimée sœur Marie-Noël. Et voyez, j'aime dire, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Dis à ton frère, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il y en a, je dis à ton frère, il me regarde. Je dis à ton frère, ta soeur qui est assise à côté de toi. Si elle parle, tu dis, mon père, il y a un rebelle ici. Je vais le faire, je vais l'appeler. Dis à ton frère, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Vous avez vu les textes d'aujourd'hui là. C'est pour ça que je n'ai pas voulu écrire pour parler simplement. Première lecture. Sept frères. Hein? C'est ça, non? En train d'être martyrisé par le roi. Qui connaît le nom du roi là? Celui qui trouve ça, il va faire juste 3 jours au purgatoire, il va rentrer au paradis. Il ne va pas durer. Pourri. Ici là, le curé c'est qui? C'est moi? On dit le curé c'est qui? A dit c'est Dieu. Tout là, le curé c'est Jean-Michel Awanamoyo. Voilà. Et Dieu m'a donné les clés. Il a dit Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié là-bas. C'est pas ça? Donc si en pleine assemblée eucharistique, nous sommes à l'eucharistie, j'ai pris ma bouche de Jean-Michel, j'ai parlé. J'ai dit tu vas faire 3 jours. Faut dire alléluia, amen. Alors, et puis tu es là, tu ris, tu l'as. J'ai dit, comment s'appelle le roi là? Ce n'est pas Antiochos, c'est Antiochus Epiphane. Qui est en train de martyriser des frères à cause de leur foi. Et curieusement, vous savez, la Bible est pleine de symboles. Hein? Le chiffre 7, c'est un chiffre parfait dans la Bible. Qui montre un peu la souffrance du peuple d'Israël pour garder la foi authentique en ce Dieu, en ce moment-là qui était le Dieu unique, Yahweh,
Parce qu'à ce moment, on n'avait pas encore la conscience du Fils et du Saint-Esprit.